Grâce à l'unité qui gagne dans le commandement de la police là. Grâce à l'unité qui gagne dans différents niveaux de la police là. Permettre que nous arrivions à lever deux trois défis. Que la matière opérationnelle, que la bonne gouvernance institutionnelle, que la condition amélioration conditions de travail policier. Mais nous réaliser des opérations de démantèlement tout. Tant coup gang ti makaklaboul Tigre Gadelma Makandal ou Delma Font Jean Noël Sodo on cite ça au seulement. Pendant période là nous rivé saisi 687 âmes. C'est ça qui fait m'a demandé tout policier, tout commandant mettez tête ensemble avec nouveau chef police là pour nous continuer route transformation la police là pour nous continuer route renforcement la police là pour que nous gagnions une force police robuste qui ca répondre à toute menace que pays a ca gagner pour ne pas obliger de temps en temps appeler au secours de la communauté internationale. On a souffert longtemps bon bombier rapide mais pas oublier on a espace diaspora et soyez bref mon frère on aller comment nous y on parler. Esaïe César. Alors, bonjour Galette, bonjour à tous les auditeurs de Tricheur Radio Téléclair, bonjour. Bien à tous, bonjour Loco Désir, bonjour à toute famille, Loco Désir, nous connaissons qui est en souffrance enragée, et tout n'est pas perdu, et Loco Désir doit s'envoler vers les États-Unis d'Amérique, plus spécialement vers la Floride, côté elle va assister à funérailles qui t'a dû faire 29 juin cap. Allô Galette. On met pas les aïeux. Alors nous tenons à remercier spécialement l'ambassade américaine par le biais de son ambassadeur Monsieur Hankins et puis la ministre des Affaires étrangères et des cultes et des Haïtiens vivant à l'étranger, à savoir Madame Dupuis, Madame Dominique Dupuis. Le directeur général du ministère des Affaires étrangères et monsieur Azad qui lui-même t'a fait et tout le nécessaire et l'un des responsables du service de la direction consulaire du ministère des Affaires étrangères qui au même t'a démerdé au davantage qu'un bien ambassade là on ne peut plus mais pour capable gérer question visa humanitaire visa spécial à Loco Désir. Naturellement, nous connaissons que c'est pas facile. L'ambassade américaine fermée depuis quelques temps. Et par rapport avec Zach violence et perturbation politique qui gagnent, mais au niveau du tabac, mais faut nous dire que il n'était pas facile. Ok, et il n'est pas facile du tout que l'ambassade américaine te prenne décision pour capable émettre un visa et à Loco Désir. Nous connaissons qui depuis quelques temps pas aller États-Unis. Pour la rendre visite à Petite Lee. Et ce qui arrive ces derniers temps, c'est que Petite Lee mourit derrière Dolly. Loco Désir, son équipe Petite Lee en pile. Eh bien, jodi à la, nous sommes capables de dire que Galette, c'est fin prêt. Loco Désir doit s'envoler vers les États-Unis pour assister aux funérailles de son enfant, Stéphane Loco Désir. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu un entretien avec l'un des responsables du ministère qui m'a confirmé, n'est-ce pas vrai, et l'information. Donc, c'est clair, Loco Désir est pralé mercredi Capvina, m'a pas accompagné, nous pralé vers la Floride. Ok, pour ok. À funérailles, Petite Lee, Loco et Stéphane Désir. Alors, d'entre jeu, il faut qu'on dise qu'il y a divers mondes qui t'ont remercié Loco, alors qui t'ont partagé sympathie. Partager ses patios à Loco Désir, le cas du directeur général est fraîchement installé, à savoir M. Normil Rameau. Et pendant qu'on a parlé de Normil Rameau, eh bien, Vladimir Galette, oui. c'est chaud, ça paraît chaud. Mm-hmm. Eh bien, je dis à là, M. Normil Rameau, monsieur installé, ok, présence du. Président du conseil présidentiel, à savoir M. Edgar Leblanc, et le Premier ministre, à savoir M. Gary Conny, le ministre de la Justice, Carlos Hercule, personnalité et de l'international et qui était présent, du BINU, ok, et qui est présent dans l'occasion de ça. Alors, faut que ça te paraît un peu drôle pour certains observateurs et pour certains et certaines personnes présentes qui étaient présentes à l'occasion de cette installation,
Mais c'est parce que y a été remarqué yon nèg qui est le Normile Rameau qui ont caractère fort que nous connaît. Eh ben li t'es gagné pour la saluer le président du conseil présidentiel et monsieur Charles Leblanc et li bali talon et puis li saluer le premier ministre et puis li saluer le ministre de la justice. Malheureusement et pour moi-même qui parle là là, et c'est pas une surprise parce que je connais le type en question. C'est quelqu'un qui est très drôle. Mais Normile Rameau, par rapport avec l'information qu'elle gagnait, bien entendu, ok, qu'elle pas gagné pour le bail DGLB l'année, ok. D'abord sur le plan mystique, ou à côté d'aller, sur le plan, il pas gagné pour le bail LB l'année. Et deuxièmement. Li fâché en pile. Esaü. Allô. Oui. Li pas de gain pour te bailler LB la main ou bien li pas bailler LB la main. Li pas bailler LB la main. Okay. Et selon ça te recevoir. OK, ce ça te recevoir. Non mais grand monde ni à partir. OK. À partir de installation activée pour le fait là. Mhm. Ta bailler la main à LB parce okay. Que li gain information que Et li pa dwe bay lan men a LB. Deuxièmement, li fâché, il était fâché parce que Franz LB, selon lui-même, selon Normile Rameau, qui a parlé avec certains amis, que LB, Franz LB, te bay l'argent à un certain Timothée Rony pour te bay conférence côté traité de volet. Donc, bagay ça, levé toute plume sous le Normile Rameau, que son nèg qui. Que me connaît bien, monsieur fâché en pile. Donc ça veut dire que quelque chose grand monde n'est pas dit pas bailler LB l'en main, monsieur pas bailler LB l'en main même. Et si tu as une possibilité même arrêter ça bailler LB. Je dis là. Connaissant le type en question. Ou pas je me connais, il a fait là après. Il a fait là après. You never con. Monsieur tellement fâché les Et Timothée Rony à la conférence là, monsieur tellement fâché, je dis à la, dans quelle installation, même arrêter le gars, il était qu'à arrêter LB. Bon, je ne sais pas comment ça va le passer. Mais un fait est clair, c'est que ça passe, il n'est pas étonné parce que je connais le type, je connais pas la baille LB là. Donc, tu es capable de faire d'autres bagages qui arrivent. Mais pour je dis à la, il y a un qui a interprété comme manque d'élégance et sur le plan républicain, sur le plan de la bon. Courtoise. En tout cas, nous ne pas faire aucune considération sur ça. Et oui. Justement, il est capable de manquer d'élégance, il est capable de saltaire. Mais l'essentiel, vous regardez, où est-ce que vous avez là, vous n'avez pas l'an, mais vous n'avez pas l'an, vous n'avez pas besoin de circuler moi-même. Et ça, me besoin. Je comprends, Galette. Alors, pour dire où, il y a tout disponible à prendre, à moment où on a parlé là, et pour que il y ait un inventaire qui fait de tout matériel la police nationale au niveau de logistique. Et qui ça la police gagne en main dans moment là, qui ça pral et qui réquisition pral fait bail gouvernement en place là et qui d'autres réquisitions gouvernement qui t'en fait pour capable ben accueillir d'autres blindés, d'autres matériels pour capable mener opération dans tout pays là. Donc c'est ça qui est important aujourd'hui là Normile Rameau t'a supposé chita avec le haut commandement de la police nationale. Maintenant si il doit faire des changements si gagne moun la kebe mais aujourd'hui là après-midi, Normile Rameau doit gagner une rencontre spéciale avec une réunion spéciale avec le recommandement de la police nationale pour capable aller travailler sous un plan bien déterminé en ce qui a trait à question sécurité pays là et pour pencher sous problème qu'a ravagé pays là, à savoir l'insécurité qui bat son plein dans la capitale haïtienne. Et pourquoi pas sur tout le territoire national, côté nous perdu 85% de ce territoire, et que je dis à la nécessité, la priorité. Ils ont eu rectification, nous pas perdu. On nous dit des hommes, des autorités, des gens qui sont dans l'État, n'en confient l'eau avec bandits, ils ont quitté le bouillo. Nous pas perdu. C'est le cas de le dire. Et nous rappelons, nous pas dans le bas là. Et à savoir, la prison, écraser prison, yo, et c'est pas ton bagage aussi simple, t'es yé. Yes. Et t'es gagné, des informateurs qui te baillent, le directeur général d'alors, LB, Franz LB, information sous prison pour écraser vendredi,
et le samedi matin, monsieur crase prison. Maintenant, gagner d'autres informateurs qui étaient bail information à Premier ministre à IA et à monsieur Boisvert. T'es gagné information était bail. Maintenant, je pas connaît est-ce que Patrick Boisvert pas partager information avec LB? Est-ce que LB lui-même pas partager information avec le recommandement de la police nationale et spécialement le directeur départemental de l'Ouest et Ludmo toute entité? Maintenant, qui s'est passé? Donc, je pense que j'ai un peu l'explication pour M. Nobay. Dans le cadre de prison, ça a écrasé. Deux prisons écrasées. Dans le même mois, et pas même pour un pile jour. Dans le jour, il y a une écrasée. Dans deux jours après, l'autre a écrasé. Et ça veut dire que je dis à là, la police nationale travaille pour grand merci. Parce qu'il a arrêté pour la justice. Je dis à là, l'on pense qu'on est dans la prison. Et bien, il y a flané. Et là-dedans, divers mouns qui étaient impliqués, qui doivent être tapés. Non. Le mort président Jovenel Moïse dans la rue, dans le moment où on a parlé là, à l'exception de ces Colombiens, ok, qui te gagné, doit être trempé dans le cadre d'assassinat ça, avec M. Badio, qui eux-mêmes, trouvé dans la prison, dans le moment où on a parlé là, parce que eux-mêmes, ils n'ont pas sauvé. Donc, c'est le cas de le dire. La sécurité qui est là, d'abord, il faut que je dise, et t'as tout dans le moment où on a parlé la cérémonie investiture et compère, oui, Normile Rameau, il fait que fini. Normile Rameau fait qu'installer. Alors, fini dans le moment où on a parlé là, pendant que je débalance là, et Normile Rameau, désormais, est le nouveau directeur général AI, hein, AI de la police nationale d'Haïti. Et nous connaissons, et Normile Rameau te font passage déjà dans tête police là. Gen pile frère Zam Normile Rameau qui ouel comme une belle tête. Et par rapport avec une série de actions que le dégât a posé dans cette passé. D'ailleurs, une bagarre qui a posé, c'est question de proximité entre le haut commandement de la PNH et la PNH en soi. Même si c'est sous Normile Rameau. Gen bagay et syndicat la police là que t'as créé dans un premier temps c'était et syndicat comment syndicat ça a été encore ça que gagné Yannick là dans oui Yannick avec l'autre ami qui t'a fou faire là oh, en tout cas après ça nous pas venir nous pas venir parler de SPNH 17 et SPNH 17 donc que peut-on espérer avec Normile Rameau à la tête de la PNH nous connaît Normile Rameau justement comme directeur central de la police judiciaire et c'est un monde qui était passé qui bail résultat en tête DCP je me dis bien c'est un monde qui était bail résultat et minouch n'a pas parlé tout à l'heure et moi dans micro OK nous pouvons faire ça et donc matin là réflexion information aussi nouvelle tête encore un nouveau directeur général à la tête de la PNH des n'ta capable de boucher double cap mettre là et pour et puis bam dit nous et bam dit nous oh gérer ça moi s'il vous plaît cordo dit mon nom dans micro et en Haïti faut gagner ça ou les secrets d'état surtout en matière de sécurité pendant ce maintenant m'garder m'té ouais yon note on communique ou les gens veulent m'pas connait écoutez que au état major PNH là m'pas songe non général qui est ça encore qui mandé pour FADH camper ou bien prendre position dès on va comme ça m'pas un soldat bon plus close PNH là que moins proche FADH là parce que j'ai des moun moi j'ai des frères moi des amis moi des camarades classe moi moi des élèves moi des étudiants qui policiers donc plus t'as capable gain ou bien t'as capable connaître quelque bagaille de la PNH que de la que de FADH des forces armées d'Haïti position DA me voulais quoi que son formule pour déployer les soldats de la FADH
Et ça me veut quoi parce que dans le contexte nous là pas grand kenn gens pour t'a dit monsieur il a porté client ba ou il a porté boss ba pour filmer jamais. Dans le contexte insécurité ni là pas grand kenn gens pour t'a dit monsieur préparez nous chaque région chaque bataillon vini n'a passé par nous pour aller dans la mer jamais. Pas quoi. Mais si n'a prend une décision pareille et qui gien avec la sécurité territoire là parce que c'est principal rôle l'armée d'Haïti c'est défendre territoire national là contre toute évasion et contre toute évasion pardon ennemi mais tout en cas de problème de sécurité majeur il est capable de déployer l'armée c'est la bonne décision comme ça monsieur qu'il fait qu'il fait qu'ils sont fausses notes de ouais qu'ils sont faux documents de ouais qu'ils sont vrais pas de prendre la rue non. Non, le pas doué prendre la rue. Parce qu'il s'agit de la sécurité intérieure du pays. Nous comprendre si son monde nous mandé ou bien nous voulons empêcher quitter le pays. Ça, c'est l'autre bagaille. Bon, je dis pour qui raison. Tout d'abord, c'est vrai que si monsieur est vivant sans mieux. Le yo posé en action avant yo posé lui annoncé monsieur pas c'est pas tout acte non il a posé qu'il a annoncé le 1er juin 2021 et ça 1er juin 2021 21 ou 2020 depuis les batailles a éclaté sous bicentenaire les batailles a été éclaté 2020 21 merci beaucoup et un bon matin comme ça oui tout le monde est levé au pied ouais ils ont un bon matin la pli si la pli Abouma avec Chris là son bon matin oui mai 2022 c'est un bon matin comme ça oui yo t'en quoi l'homme sans jour 400 maozo envahi et l'autre ça quoi d'émission oui comment on est encore oh chez méchant merci en pile. Son bon matin comme ça, oui. Son bon matin comme ça. Négoni levé, yo bloqué la pleine nuit. Un bon matin comme ça, au levé, yo bloqué bicentenaire. Ça yo pas dit mon rien, non. Et puis pour nous-mêmes qui dit c'est autorité pour si n'a pas une décision pour bandi qui tant qu'on n'a pas une décision monsieur. C'est-à-dire même entre nous, n'pas ka gen secret ça, même entre nous. Et puis je pense que tout le temps pour ces bandits qui suspendent nos leçons. Là, je ne parle pas avec ni les gens qui sont au pouvoir, ni les gens qui sont passés sous pouvoir. Le temps pour les bandits qui suspendent nos leçons. Et chaque fois qu'ils ont nos leçons, ils montrent que c'est des gens petits. Ils ont écrasé la pénitentiaire nationale, ils ont annoncé ça. Ils ont dit qu'ils ont bloqué le pays. Et de fait, ils ont fait plusieurs mois. Plusieurs semaines, plusieurs mois, ils ont bloqué les ports internationaux. Ils ont bloqué les ports. Ils ont bloqué le pays. On n'y a pas qu'à sortir, on n'y a pas qu'à entrer. Mais ce, malgré le fait annonce, il n'y a pas de monde qui prend disposition pour empêcher les gens de faire ça. Et ça fait toujours dit nous sommes bandits au même titre que eux-mêmes. Eux-mêmes, ils sont bandits. Et vous pouvez vous bandit par rapport avec des actes que vous posez. Et vous autres comme autorité, nous c'est bandit parce que nous pas posé aucun acte. Donc nous c'est bandit par omission. Parce que wall dirigeant, wall autorité a c'est gérer cité. Qui ça n'a géré là? C'est comme si nous avons son père de famille, son mère de famille qui n'ont pas qu'être petite, la dogue qui pille des autres, sac pille des autres, la fait salve les lèvres, sans que papa le maman pas qu'à taper sous domaine. Donc nous pas digne pour nous dirigeants monsieur. Nèg yo montré. Yo ba nous le sol, yo met tête yo ensemble dans le sens péjoratif oui. Yo met tête yo ensemble d'ailleurs les têtes yo vivent ensemble. Nèg yo met tête yo ensemble pour écraser. Et ça fait me dit dans le sens péjoratif. Nous même pour ça nous pas met tête nous ensemble pour nous construire. Pour ça ne pas fait ça. Et bien, il faut les diriger, il faut les présidents, il faut les premiers ministres, il faut les tout bagage. Ou pas, ouais, Jeff avec l'homme sans jouer tête ensemble, il a bloqué la plaine.
yo bloqué justement ça est cérémonie hein, et cérémonie et installation Normile Rameau comme nouveau directeur général de la PNH. Nèg mettait ensemble dans le mal comme c'est pas une seule force cap diriger monde là. Nous-mêmes comme politiciens au moins montrer que nous ka fait bagala différemment. Mettez tête nous ensemble pour nous faire bien. C'est simple. Oui. On nous permet Babas. Excusez-moi pour permettre auditoire d'attendre discours et premier ministre qui c'est également chef CSPN. On a rappelé ça c'est dans occasion cérémonie installation du nouveau directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Normile Rameau. En bon docteur, c'est diagnostic là d'abord. Fait examen tout de suite. Après vous prenez qui médicament, qui dosage, n'a pas de ministre maladie. C'est un dialogue avec concertation. Nous avons fait choix, M. Normile Rameau, pour le directeur général, pas intérim de la police nationale. Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, c'est avec un sentiment du devoir citoyen, un réel plaisir, que je tiens d'une part à vous féliciter pour votre nomination à la tête de la police nationale d'Haïti, et d'autre part à vous investir officiellement dans vos nouvelles fonctions. Ainsi, j'ai l'insigne honneur de procéder à ce jour à votre installation à la tête de la prestigieuse institution de la police nationale d'Haïti de notre pays. Comme chacun d'entre nous le sait, cette cérémonie se déroule dans un contexte de profonde préoccupation au sujet de la protection des vies et des biens des Haïtiens. Depuis plus de 5 ans, Haïti fait face à une situation d'insécurité grandissante qui nous met à genoux. Les gangs armés ont investi la plupart de la zone métropolitaine en pillant, enlevant, séquestrant contre rançon, torturant et tuant les compatriotes haïtiens et les étrangers. L'heure est grave. Pas besoin de vous le rappeler, Monsieur le Directeur, au moment de votre prise de fonction, le pays vit des heures sombres à cause du phénomène de l'insécurité. Les actes répétés de violence des gangs armés instaurent un climat de peur généralisé au sein de la population. Le citoyen lambda au plus haut cadre de l'État, personne n'est à l'abri de la fureur des gangs armés. Il n'y a pas plus de 2 semaines que 3 de vos confrères policiers étaient assassinés. Et ce matin, j'étais présent et j'ai participé à les funérailles émouvantes avec ma famille. Monsieur le directeur général, ça fait trop longtemps que ça dure. Il faut que je passe. Monsieur le directeur de la police nationale, monsieur le directeur, la police nationale est le dernier rempart de la sauvegarde de l'autorité de l'État. À côté de l'armée, elle est la force chargée d'assurer la sécurité des citoyens haïtiens. Il est temps de procéder à l'inventaire et à la reconquête de nos espaces. Car aucune entité, quelque puissante qu'elle puisse être, ne doit concurrencer l'État, seul détenteur de la violence légitime. Votre mission, monsieur le directeur général, est de faire de la police nationale d'Haïti ce qu'elle doit être. Cette force capable d'assurer la sécurité de chaque Haïtien. Pour l'essentiel, il s'agit de rétablir la confiance, de combattre la violence, de trouver des solutions urgentes pour qu'un climat de paix soit instauré de manière durable dans le pays. Les différents rapports soumis par les institutions qui travaillent dans le domaine de la défense des droits humains et les autres instances concernées font état à ce jour de plus de morts enregistrées à l'échelle nationale du pays. Dans ces conditions, nombreux sont les Haïtiens qui se trouvent contraints à laisser le pays pour d'autres cieux plus cléments, et ceci contre leur gré. Les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de l'État, depuis notamment l'assassinat du président Moïse, ont essayé d'apporter des réponses en vue de faire revenir l'ordre et la paix. Ce n'est pas malheureusement à chaque fois sans d'énormes difficultés qui sont liées au fait que les questions de sécurité sont devenues tellement complexes qu'elles sollicitent la plus totale et sans concession de toutes les forces vives de la nation. Aujourd'hui,
nombreux sont ceux qui ont le sentiment, ici comme ailleurs, que rien ne peut être fait de notre côté pour changer la situation. Je crois que non. Je crois sincèrement que nous avons les capacités qu'il nous faut, l'engagement qu'il nous faut, le patriotisme qu'il nous faut pour pouvoir faire face à cette situation collective. Je prends l'engagement de vous dire aujourd'hui ce matin qu'alors que la police nationale a un rôle clé à jouer dans la question de la sécurité, elle ne peut être et elle ne sera exclusivement la responsabilité de la police nationale. C'est une responsabilité collective que nous assumons avec vous depuis le début jusqu'à la fin. Monsieur le directeur général, vous aurez la lourde tâche de travailler à rétablir un climat de confiance dans l'esprit de la population. Celui-ci ne pourra se faire sur la base de mise en œuvre d'une stratégie qui se révélera efficace parce que du lieu du CSPN, nous aurons à collecter les informations, développer le savoir expert, nous assurer de la cohérence de nos actions et faire en sorte que la politique publique et la sécurité nationale soient mises en œuvre de manière plus optimale. La collaboration dans les meilleures conditions avec les autres institutions de défense du pays se révélera essentielle dans la lutte pour l'établissement du climat d'apaisement et de sécurité que nous appelons de nos voeux. Le pays a désormais les yeux rivés sur nous, Monsieur le Directeur Général. Il attend que par vos actions, vous lui donnez une raison d'espérer que la vie sera meilleure. Les appréciations pour votre parcours au sein de la PNH, surtout au niveau de la DCPJ, font écho dans tout le pays. Nous comptons sur vous pour que notre Haïti chérie reprenne goût à la vie, pour que le pays puisse être ouvert aux investissements, pour que la population puisse vaquer paisiblement à ses activités, pour que les mères et pères de famille qui souffrent pendant longtemps puissent vaquer à leurs occupations pour pouvoir nourrir leurs enfants. Tous nos remerciements vont aussi à l'endroit du DG sortant pour les sacrifices consentis et les efforts fournis. En ces quelques semaines, j'ai travaillé à vos côtés, j'ai vu votre engagement, j'ai vu votre passion pour la police, j'ai vu votre détermination, j'ai vu votre cœur. Et je veux vraiment vous remercier des sacrifices énormes que vous avez fait pour l'énergie. Les taxis, je ne vous oublie pas partout. Monsieur le directeur général, comme je l'ai dit tantôt, l'heure est grave et les défis sont énormes. Le gouvernement et moi mettrons à votre disposition tout le matériel logistique nécessaire pour vous accompagner dans votre travail. Soyez pour cela assurés de ma collaboration pleine et entière dans l'accomplissement de nouvelles tâches. Je compte sur vous et réitère au nom du gouvernement ma ferme volonté à travailler avec vous en vue de faire face à certains défis. Compatriotes, membres de la police. On a vu là par sous-estimé. Parfois, deux semaines, on a effectivement le sentiment qu'on n'a pas avancé dans la bonne direction. La première fois depuis mon marché politique, les entités qui généralement ont combattu l'autre arrivent en temps mieux, ils arrivent à faire compromis sur le type de gouvernement de transition, ils arrivent en temps mieux sur le Premier ministre, ils arrivent en temps mieux sur le gouvernement, et je tiens, ils arrivent en temps mieux sur le chef de la police. Pour continuer le travail que le DGM veut faire. Je me sentis mon mouvement et je me sentis que la population commence à reprendre confiance dans nous. C'est une grosse responsabilité. On est en pile dans nos cas boumés depuis plusieurs années. On est en pile dans nos cas en pile sacrifice depuis un pile d'années. Maintenant, nous qui aimons faire avec nous. Qui aimons faire. Nous pas loin. Nous pas loin. Et d'avancer. Nous comptons pile que le DGM a accepté la responsabilité pour le travail, côte à côte avec nous. Pour attaquer les questions de sécurité à droite. Nous allons perdre une seconde, nous allons perdre une minute. On va commencer le travail tout de suite. Pour moi, qui ça nous a fait un, pour nous renforcer la police, pour nous la police, tout ça a besoin de mon travail. Pour nous assurer les policiers, pour nous assurer les familles policières qui accompagnent le travail, pour nous garder comme on a fait des lancers, mieux le combat, pour nous mener la population comme partie prenante de l'effort à faire, pour nous faire tout. Entité d'État et jouer royaume pour nous reprendre la zone métropolitaine. C'est ça l'objectif. Et nous parlons ensemble et nous voulons que nous portions ça. Merci beaucoup encore une fois. Merci M. le Président de nous avoir travaillé aujourd'hui. Et merci à vous tous d'être présents à ce jour, en particulier de l'installation du nouveau directeur de la police nationale. Et nous t'avons écouté et discours Malheri, discours
premier ministre là, pas bah, ouf frère, pas répéter pour moi. Et Gary Koni, faut nous dire et pour penser en fait téléspectateurs et amis internautes qui identifier mon de la gauche vers la droite et gain France LB costume bleu et ministre justice et sécurité publique là Carlos Hercule costume noir, il était gain lunettes bon côté, il était gain Edgar Leblanc fils et puis il était gain le nouveau directeur général AI de la PNH et Normil Rameau et mon qui t'a parlé à dans micro c'était Gary Koni qui pas de vin nan connivence ak bandi pa boy ici. Bon, et nous partir là et t'a tout 31 46 52 52. Ça passe. On prend mon nom. Mais dégage mon cher, m'dit toujours dia diaspora capé après ça. Cap faire réflexion yo. Les n'a plagué pour nous. Diaspora cap faire réflexion yo, pas un problème, nous dégage relé amis hein. Bon, en tout cas. Bon, donc je souhaite venir parce que nous dans notre Miami, là peut un matin débat, les jeudi à nous t'a de fond battre bouche avec lui. Donc nous t'ai dit la midi, nous t'ai rendez-vous midi, le midi 14, ça veut dire c'est pas trop mal. Nous respecter l'heure de toute façon. Donc étudiant César, hein, capitaine de nous dans notre Miami. Et c'est avec nous t'a dû faire et on t'y parler sous. Et jeudi à ce vendredi, nous t'a bouclé donc semaine spéciale là. C'est avec étudiant César qui est dans notre Miami. D'ailleurs, qui travaille dans high school. Et nous t'a même fait t'y parler dans school notre Miami. Nous t'a même fait t'y parler avec lui pour nous t'a bouclé semaine spéciale là. Donc voilà, et son est sans réponse. Et s'il son est sans réponse, n'a dit galette, il met dérapé. Il met dérapé, galette, dérapé. N'a poussé. Et 31-46-52-52. Oui, non, après, écoutez ça. Et Zamina Diaspora. Et l'Ina ouvert. M'dit bien oui, Zamina Diaspora. L'Ina ouvert. Et nous compte téléphone déjà 31 46 52 52 et bay et point de vue pas ou et sans comprendre et de et ça qu'a fait la journée jeudi à dans pays ali là il pas là et non nouvelle tête qui s'en attend de Normil Rameau dans tête PNH là et jusqu'à présent matin une petite réflexion on s'est mis à faire ensemble avec on s'est parlé de sécurité et Gary Koni comme chef CSPN depuis le prend fonction pour que j'aime visiter une base unité spécialisée dans PNH là et m'bay zanmi en raison mais moi fait le bon bagaille tout et c'est vrai que le peut visiter aucune base des unités spécialisées de la PNH mais gain renforcement maman là mais téléphone là.